Salut à tous et merci de me retrouver pour une nouvelle édition de la Minute Quintet direction l'hippodrome de Fontainebleau ce mardi 7 novembre en compagnie des sprinteurs, le prix de la Seine-et-Marne, troisième course de cette première réunion qui sera support de Quintet. C'est bien entendu la première épreuve d'un handicap divisé. Comme j'ai dit, ce seront des sprinteurs qui sont au départ à 1200 mètres en ligne droite pour des chevaux âgés de 3 ans et au-dessus. On a fait le plein de partants, il y a pas mal de non-partants déjà dans cette réunion. J'espère qu'il n'y en aura pas dans ce quintet. En tout cas, pour l'instant, ils sont toujours 16 au départ sur ce tracé. Et voilà, course qui est prévue à 13h50, comme je l'ai dit. Un lot qui est assez intéressant, avec notamment des 3 ans qui sont difficiles à situer. Et c'est vrai que je leur ai fait confiance, hein, avec notamment le numéro 9 Big Star que j'ai retenu en tête de ma sélection. Le numéro 9 Big Star qui débute dans cette catégorie et face à ses... Non, pas face à ses... Ah si, si, face à ses aînés, pardon. C'est un cheval qui n'a jamais couru face aux vieux. Maintenant, regardez, il n'a jamais déçu. On fait appel à Christophe Soumillon. Et puis dernièrement, il a terminé deuxième d'une course à conditions bien composées, hein. Il était battu par Denver Shop, un cheval qui est pris en 44, en valeur 44. Il battait un cheval qui est en valeur 47. Franchement, la ligne est très intéressante. Pour moi, il a de la vitesse. C'était quasiment le même parcours, hein. C'était 1100 mètres en ligne droite sur cette piste. Là, c'est 1200 mètres. C'est pas un problème. Pour moi, il est capable de briller à cette valeur. Il a l'atout Christophe Soumillon, comme je l'ai dit. Et je pense qu'il est capable de frapper fort dès ses débuts dans cette catégorie. Ensuite, j'ai retenu le numéro 3 Otrasno. Pour moi, c'est la valeur sûre, c'est la base intégrale. Otrasno qui, vous allez le voir, lui fait partie des nombreuses courses références qu'on a à notre disposition. Déjà, le mois dernier, il terminait deuxième, quatrième, pardon, derrière Ismaël Paint dans le prix Vierge de la Vierge de la Lorette. Voilà, c'était un handicap du même type, hein, 1200 mètres ligne droite, c'était à Chantilly. Voilà, regardez, prix du cabinet des livres à Chantilly une nouvelle fois. Il y a 2 mois, il était battu par Chérimiré Houkan, il était cinquième. On en a d'autres, hein, Otrasno, regardez, deuxième du grand handicap des sprinteurs le 15 août. Il est partout. Il est partout. Et puis regardez, je ne sais pas si on a. Ah ouais, on a la course. Ah non, la course où il avait couru. On a celle où il est non placé, mais il avait été arrêté après cette sortie qui était trop mauvaise pour être exact. En toujours est-il que Otrasno, pour moi, c'est la base de cette épreuve. Il a déjà remporté son quintet cette année du côté d'Angers, mais il dispose d'encore un peu de marge à ce niveau-là. Et pour moi, c'est un concurrent qui présente énormément de garanties, d'autant qu'il est bien placé dans les stalles de départ. Ensuite, j'ai retenu en troisième position l'As Apax, un poulain de 3 ans encore, hein, comme le numéro 9 Big Star. J'aime beaucoup sa candidature. C'est un cheval qui a montré vraiment des moyens. Déjà, regardez, il fait preuve d'une très belle régularité. Il a déjà eu l'occasion de remporter son quintet, hein, cette année, hein, malgré son jeune âge. Il est déjà assez endurci. Dernièrement, il a terminé troisième d'une course à conditions bien composée, en glace 1, battue vraiment par de bons chevaux. Auparavant, il a terminé septième du grand handicap des Flyers, hein, un handicap très attendu toujours le week-end de l'Arc. Et il courait bien, il n'est que septième, mais sa tentative est bien meilleure que de l'indique son classement. Pour moi, il a beau porter 61 kilos, je pense qu'il est capable de réaliser une grosse performance. Je le retiens troisième, mais franchement, s'il venait à gagner, je ne serais vraiment pas étonné parce que c'est un poulain qui progresse constamment. Ensuite, j'ai retenu en quatrième position le numéro 7, Ismaël Paint. Bah écoutez, j'ai suivi la ligne, hein, du prix de la Vierge de Lorette le mois dernier. Ismaël Paint qui battait Otrasno, Babassim ou encore Chérimiri. C'est vrai que c'est un cheval en plus qui aime prendre les devants. Ça peut être un avantage, hein, pour ce numéro 7, Ismaël Paint. En plus, on fait appel à Michael Barzola. On s'est quand même pas, on s'est pris les services de quand même un jockey de qualité. Et c'est vrai que, vu que Marie Bellon est sur la touche, la pauvre, ça peut être un avantage d'avoir Michael Barzola de son côté. Toujours est-il que pour moi, c'est un concurrent qui, vu le style de sa récente sortie, doit confirmer et terminer dans les 4 premiers. Ensuite, en cinquième position, j'ai retenu le 2 Chérimiri. Chérimiri, il a un petit peu déçu, hein, dernièrement du côté de la course référence. Maintenant, il était un petit peu trop loin pour espérer jouer l'arrivée. Il ne faut vraiment pas le condamner là-dessus. Ça lui arrive comme ça de temps en temps. On le voit, hein, il a aussi une 7e place cet été dans un quintet où il a légèrement déçu, mais il était dans le mauvais wagon cette fois-là. Et puis, il retrouve un parcours sur lequel il a déjà gagné, je crois. D'ailleurs, on l'avait cette course. Ouais, voilà, c'était ici le prix de la forêt de Fontainebleau le 10 mai dernier. Donc, un cheval qui a fait ses preuves sur ce parcours, qui l'apprécie, qui a fait ses preuves également à cette valeur. Hein. Lui aussi, on le retrouve dans les courses références. Regardez, il avait gagné aussi le prix du cabinet des livres le 16 septembre. Hein. Moi, je pense qu'il a encore un petit peu de marge à ce niveau-là, à ce poids. Et c'est vrai qu'avec Stéphane Pasquier, j'y crois, mais plutôt pour une place.
Ensuite, en sixième position, j'ai retenu le numéro 10, Kahn. Bah, j'ai suivi la ligne encore une fois. C'est vrai qu'il est un petit peu déçu, hein, Kahn. Il a réalisé un super BT cette année. Et c'est vrai que dernièrement, ouais, c'était le favori. Vous le voyez, 3,90 €. Il s'est retrouvé loin, lui aussi, un petit peu comme Cher Emiri. Il n'a pas si mal fini que cela, mais c'était difficile de revenir dans les conditions dans lesquelles s'est disputée cette course. Auparavant, deuxième du prix du cabinet des livres, il a prouvé qu'il avait encore la possibilité de jouer les premiers rôles malgré une victoire dans un quintet. Pour moi, avec un jockey qui le connaît parfaitement, il est capable de remettre les pendules à l'heure. Ensuite, en septième position, je suis parti chercher le numéro 15, Sixtus. Je l'aime bien, ce poulain de 3 ans en bas de tableau. Il a montré quelques moyens également intéressants dans des handicaps. Regardez également, il a également fait ses preuves aussi, ce qui m'a plu dans de terrain lourd, je crois, hein, que je l'ai déjà vu faire en terrain lourd. C'est important, je ne l'ai pas précisé, mais le terrain ouais, va être assez pénible et c'est vrai que ça va être peut-être une course de nageur. Toujours est-il que lui est en forme, il a de la vitesse. J'essaie de chercher une course de handicap où il a couru. Non, celle-là, il était non placé. Je suis sûr que je l'ai vu déjà bien faire à ce niveau-là. Regardez en terrain lourd, il est quatrième à Compiègne. C'est cette course-là qui m'avait plu, notamment battu par Apax à poids égal. Et c'est vrai que cette sortie lui confère une chance très régulière. J'avais oublié pourquoi je l'ai retenu. Certes, c'était l'hiver dernier, mais c'est un cheval qui fait bien en terrain lourd, qui est pris à une valeur intéressante et qui, à mon sens, est capable de rivaliser à cette valeur. Et enfin, en huitième position, j'ai retenu le 8, Rosanne Duguay. Je ne sais pas si Tony Picon avait le choix des montres. C'est vrai que d'habitude, on le voit sur le 4, Bayless Blues. Alors, tout comme Hugo Lobo, qui a déjà été associé à Rosanne Duguay, je ne sais pas trop comment s'est passé le choix des jockeys, mais Rosanne Duguay, elle a remporté son handicap. Je pense qu'elle dispose encore un petit peu de marge. Elle a souvent été vue sur entre 1300 et 1600 mètres, hein, surtout. Mais je pense que ce parcours va jouer en sa faveur. Je pense que c'est une jument, une pouliche qui a les moyens de bien faire sur ce type de tracé et à ce poids. Donc voilà, je l'ai retenu en fin de combinaison parce que, à mon sens, il y a quand même un petit peu mieux. Mais pour une 4-5e place, attention, je pense que ça peut être une outsider assez intéressante. Et enfin, en cas de non partant, j'ai retenu le 11 mort, une ancienne pensionnaire de Christophe Ferland qui a souvent déçue dans cette catégorie, qui a fait l'arrivée l'avant-dernière fois. Là, elle reste sur une deuxième place dans un réclamé. Elle a déjà fait en terrain collant. Maintenant, voilà, 1200 mètres. Je pense qu'elle a été raccourcie ces derniers mois. Ça peut jouer en sa faveur. Un entraînement en forme, un entraînement redoutable. Et voilà, certes, c'est un regret, mais attention pour les amateurs de champ rugby, n'hésitez pas à rajouter ce numéro 11 dans vos combinaisons. On va faire un petit récapitulatif de ma sélection avec le numéro 9, Big Star, que j'ai retenu devant le 3, Otrasno, l'As, Apax, le numéro 7, Ismaël Paint, le numéro 2, Chirimiri. Ensuite, en sixième position, le numéro 10, Cannes, devant le 15, Sixtus, et enfin le numéro 8, Rosanne Duguay, en cas de non partant, le 11, Mort, qui nous donne en chiffre 9, 3, As. Vous allez voir le chiffré de façon sur l'écran, 9, 3, As, 7, 2, 10, 15, 8, et en cas de non partant, le 11. En conseil de jeu, bah écoutez, pour ma Big Star, il est capable de réaliser de très bons débuts dans cette catégorie, j'y crois vraiment beaucoup. Le 3 au Trasno, c'est la base intégrale de cette épreuve. En plus, il est capable de tout faire, aussi bien d'attendre que de prendre les devants. Et puis l'As, Apax, qui, à mon sens, a encore une certaine marge de progression à ce niveau-là et qui, pour moi, fait partie des priorités également. 9-3 As, mes trois préférés dans cette compétition. On va faire un petit tour du côté du prix du Pays de Bray. Hein. Dimanche, c'était du côté de Deauville, remporté par le 4 Principe, hein, qui venait de se balader dans une course à conditions. Très bon retour dans cette catégorie. Et puis le 16 Saint-Étienne, qui court très bien devant l'As Bétard, le 11 Uzel. Et puis le 14 Give Me Gold, qui apporte un petit peu de cote à l'arrivée de ce quintet. Tiercé écarté, qui est intrigué par Top Prono, quelques trios de part et d'autre. Vous pouvez tester hein, nos deux rubriques, c'est à partir de 1 euro par mois. C'est l'offre découverte. C'est le premier mois et c'est sans engagement. D'ailleurs, vous avez le lien dans le descriptif de cette vidéo pour pouvoir y accéder, tout comme vous avez le lien de notre formation exclusive. Moi, je vous remercie d'avoir suivi cette nouvelle édition de la Minute Quintée. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la liker, à la partager ou encore à vous abonner à notre chaîne YouTube en cochant la petite cloche. Vous pouvez également laisser votre pronostic en commentaire. Il y a un tirage au sort parmi tous les commentaires avec à gagner chaque mois 6 mois d'abonnement VIP au site turf-fr.com. Moi, je vous retrouve demain, ce sera le GNT hein, du côté de Nantes, hein, l'avant-dernière épreuve, l'avant-dernière étape. D'ici là, je vous souhaite de bons jeux à tous. Bye bye.